Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau pour la question gratuite de la semaine. Alors notre grande gagnante cette semaine c'est Idbissam qui m'interroge en fait suite à une rupture sentimentale qui est difficile à vivre par rapport à son ex-copain qui s'appelle Kamal. Elle me pose la question à savoir qu'est-ce qu'il attend en amour? Au vu des nombres que vous m'avez donnés ainsi que des tarots, ce que mes tarots m'ont dit, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas de retour du passé. Pour moi, vous avez un sentiment d'abandon aujourd'hui qui vous empêche effectivement d'avancer dans une nouvelle direction au niveau affectif, avec beaucoup de crainte, avec beaucoup d'angoisse. Et pour moi, jusqu'à présent, vous êtes resté seul, je dirais, même pas forcément dans l'espoir d'un retour effectivement de Kamal, mais plutôt dans le sens où, pour moi, vous aviez besoin de faire un point et je pense que vous n'étiez tout simplement pas prête à partir sur une nouvelle histoire, donc avec beaucoup, beaucoup d'angoisse et beaucoup de questionnements, même sur vous-même. Alors, pour moi, les choses positives, même si peut-être que vous attendiez de ma part que je vous annonce un retour de Kamal, je suis honnête, je ne vois pas de retour de Kamal. Par contre, vous avez une nouvelle rencontre qui se fait en juillet. Donc sur cet été, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de lâcher prise, qui va vous permettre effectivement de vous remettre aussi dans une nouvelle relation amoureuse, telle que vous l'envisagez, avec la paix, la sérénité, et des choses qui pour moi me semblent être effectivement très stables, telle que vous l'envisagez, telle que vous le souhaitez dans votre vie affective. C'est-à-dire qu'on sera dans une simplicité de relation, ce qui n'a pas été le cas avec Kamal, où pour moi les choses étaient extrêmement chaotiques. Là, on va dans une direction où on a un homme qui véritablement sera là pour vous. C'est clair, il sera là pour vous. C'est quelqu'un qui veut être présent pour votre avenir et qui va vouloir construire. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore à ce jour, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui a à peu près votre âge et c'est un homme libre avec qui vous allez pouvoir bâtir quelque chose. Voilà, Idbissam, j'espère avoir répondu à votre question. Et si, comme notre gagnante du jour, vous souhaitez gagner une question de voyance avec moi, c'est très simple. Vous allez sur le site www.pur-medium.com et vous tentez votre chance en vous inscrivant au tirage au sort sur la question de voyance gratuite de la semaine. Je vous dis à très bientôt.